Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir chez vous Isabelle Alonso, Annie Lemoine, Pierre Bénichoux, Jean-Bernard Rêvé, Valérie Mérès et Jean-Luc Lemoine. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Vous prenez de la vitamine C le matin, ça se voit. J'ai la pêche, bonne humeur. Un peu déçu que Pierre n'ait pas mis de cravate. On reçoit une ministre dans cette émission dans quelques instants et vous n'avez pas mis de cravate. Oui, mais une ministre sportive. C'est vrai, mais enfin une ministre tout de même. Oui, mais quand on est en orbite, on s'en fiche de la cravate. Quand même. Par contre, Jean-Bernard, on est un peu déçu. On dirait un paquet cadeau, là, carrément. Ah oui. On dirait toujours qu'il vient de marier sa sœur. D'abord, j'ai pas de sœur. Oui, si j'en avais une, tu sais ce qu'elle te dirait. Jean-Luc, vous vouliez dire. Non, je voulais dire que, par contre, on regrette que Jean-Bernard Abbé ait mis une cravate. Mais pourquoi cette obsession avec mes cravates? En quoi ça vous dérange? Mais regarde dans une glace, tu vas comprendre. Mais écoute... Valérie, tout va bien? Ça va, j'ai pas mis la cravate. Non, mais il y a deux bretelles d'accès à l'autoroute qui... J'espère bien qu'on va les prendre. On passe à la photo du jour, vous êtes d'accord? C'est parti. La photo du jour, c'est celle d'Hervé Guémard, le ministre de l'économie, qui a bien des ennuis, puisque ce matin, le canard enchaîné lui reproche de loger avec sa femme et leurs 8 enfants dans un 600 mètres carrés du 8e arrondissement, avec 5 employés de maison aux frais de l'État. On leur reproche aussi les 15 000 euros de travaux qui auraient permis de relier le 300 mètres carrés du 4e étage avec le 300 mètres carrés du 5e étage pour en faire donc un duplex de 600 mètres carrés. En même temps, 600 mètres carrés pour loger 8 enfants, ça paraît une moyenne à peu près raisonnable, non? Puis faute de duplex, c'est peut-être des durex qu'on aurait dû leur refiler. Puis franchement, avec tous les jeunes qu'on a pu voir dans la rue hier, savoir qu'il y en a au moins 8 qui sont bien logés, c'est déjà ça, moi je dis. Tout ça est très légal, il l'a dit, il y a eu des Absolument. Autorisations, c'est légal. Bon, c'est vrai que ça paraît énorme, 600 mètres carrés, mais en même temps, ils sont 10, hein, les parents, 8 enfants, 15 même si on compte les employés de maison. Vous divisez 600 mètres carrés par 15, ça fait un petit logement? Non mais... Dans le fond... Pierre... Moi, je trouve que c'est un tel manque de sens politique que de montrer à la France... Dont on dit en ce moment qu'elle a des difficultés, que les Français ont des difficultés, qu'on occupe 600 mètres carrés, je trouve que c'est un tel manque de sens politique qu'il y a une vraie sincérité chez cet homme. Quoi. Mais je ne crois pas, pas qu'il ait voulu le montrer. Hein. C'est le canard enchaîné qu'il a trouvé. Ça, c'est vrai, elle a raison. Bah ouais. Il fait travailler les travaux publics avec ses travaux. Il travaille pour la France en faisant des enfants. Il crée des emplois. Et en plus, c'est nous qui payons, donc on participe. Et qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? Il travaille pour la France. Autre photo. On parlait tout à l'heure des jeunes dans la rue. Il s'agissait évidemment des lycéens qui ont manifesté hier contre le projet Fillon. Ils ne désarment pas, selon Le Parisien. La mobilisation ne faiblit pas, d'après François. Tableau noir pour François Fillon, titre Libération. Les lycéens maintiennent la pression dans la rue, reconnaît même Le Figaro. Et l'Humanité reprend un des nombreux slogans de la manif. Nous ne nous fions pas à ta réforme, jeu de mots. En tout cas, on a les chiffres à Paris. Ils étaient 40 000 pour Le Parisien, 50 000 pour François. Selon l'UMA, ils étaient, tenez-vous bien, 60 000, il n'y a pas de raison. Et ils étaient en fait seulement 30 500 selon la police. Comme quoi, il n'y a pas que l'orthographe comme problème. Chez les jeunes, il y a le calcul aussi. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité. Puisqu'on recevra une jeune lycéenne représentante de ces manifestations. Une autre photo, celle de la reconstitution de l'accident de Lady Diana. Et oui, encore, cette nuit, dans le tunnel de l'Alma, on a essayé de reconstituer, c'est Scotland Yard, l'accident du tunnel de l'Alma, de la princesse. Évidemment, on a demandé à Camilla Parker-Bowles si elle voulait bien jouer le rôle de la princesse à l'arrière de la Mercedes. Elle a répondu « Impossible, ce soir-là, j'étais au volant d'une Fiat Uno ». Vu son appétit sexuel, est-ce que vous savez comment on surnomme maintenant la future femme du prince Charles? L'affaire des grandes oreilles. Ce qui est bien, c'est que c'est rassurant pour les filles un peu plus vieilles, quoi, parce que quand même Charles, qui est un prince, hein, un prince charmant en principe, ouais. Il a trompé Diana, qui était quand même plutôt une jolie jeune femme, ouais. Avec une vieille, quoi. Oui, mais... Et moi, ça me rassure.
Une photo de Pierre Bachelet, évidemment, à qui toutes les télés ont rendu un hommage mérité. Hier, on a appris sa disparition et toutes les télés, évidemment, en ont parlé hier soir. Au sud, Télé Monte Carlo lui a rendu un bel hommage. À l'est, Télé Alsace aussi. Et au nord, c'est Télé Coron. Rien à voir avec Pierre Bachelet, mais dans la série des chanteurs qui ont marqué les mineurs, on a Michael Jackson qui a fait un malaise hier. D'après le juge Rodney, Bambi, comme on le surnomme, souffrirait d'une grippe. Et donc, il ne peut pas aller en ce moment au procès. Donc, le procès est interrompu pendant 8 jours. Une grippe, bon, ça fait meilleur effet, une grippe, que si on nous avait annoncé que son petit ami lui avait refilé la varicelle, franchement. Ah, c'est mieux. Alors, on a aussi Jean-Luc Lahaye, dans le même genre, qui a des problèmes chez nous en France. Il est en garde à vue actuellement, le chanteur, accusé de viol sur une mineure. Le chanteur aurait toutefois reconnu, c'est dans la presse ce matin, une relation consentante, consentie, dit-on, avec l'adolescente. Alors, rappelons évidemment qu'il est présumé très con. Parce que même s'il n'y a pas eu viol, une relation consentie avec une adolescente, c'est illégal, on ben est bien oui, d'accord? C'est illégal. Il est peut-être pas au courant. Il avait peut-être trouvé qu'elle faisait plus que son âge. Rien à ajouter? Voilà. On préfère sa sœur Brigitte, de toute façon. On passe au sport avec cette photo dans France Soir de Michael Schumacher promenant son chien à Barcelone. C'est une photo étonnante, quand même, un pilote de Formule 1 comme ça qui promène son chien. Pour l'instant, c'est le chien qui est en pole position, manifestement. Alors, on n'a pas son nom dans l'article de France Soir, mais il paraît qu'en hommage au pilote brésilien, il l'a appelé Senna. Parce qu'il s'arrête toujours contre un mur, le chien. Oh, non ! On termine par cette une de France Soir. Les règles qui tuent le spectacle. Des suites, évidemment, de l'affaire du carton jaune et de l'expulsion du joueur bordelais qui, dimanche dernier, avait de joie retiré son maillot après le premier but inscrit contre le Paris Saint-Germain. C'était mérité, ce carton de France. C'est interdit depuis l'année dernière. On n'a plus le droit à cette attitude, on va dire, un peu délurée. Ces règles qui bafouent l'esprit du sport, titre France Soir, qui regrette qu'à vouloir empêcher les joueurs d'exulter après un but, on aseptise trop le jeu et le spectacle. Et c'est vrai que... D'accord, mais enfin quand même, à force de vouloir dire que l'esprit du sport, je vois pas de quoi enlever son maillot, c'est l'esprit mais du sport. Mais c'est le meilleur moment, arrête. Fais-en un peu du sport, tu verras, t'as chaud, quoi. C'est vrai en tout cas que... Si à Bordeaux, un joueur a enlevé le haut au PSG, c'est le bas qu'ils ont du mal à quitter. Et en tout cas, à Auxerre, regardez bien, vu le nombre de couches de vêtements que porte Giroud, faut au moins 5 buts pour qu'il se retrouve torse nu. Dans quelques mois, les Français, en mai ou en juin, on ne sait pas encore, seront appelés à se prononcer pour ou contre la Constitution européenne. Depuis décembre, une grande campagne d'information a été lancée. Et il est vrai qu'il est encore difficile de prendre une décision, tant la classe politique semble divisée sur ce sujet. En tout cas, l'issue de ce référendum est décisive pour l'avenir de l'Union européenne. Et ce qui fait le plus peur aux Français, c'est pas tellement de devoir choisir entre le oui ou le non, c'est surtout de devoir lire le texte en entier de cette Constitution. Dans un instant, on aura quelques explications grâce à Madame la ministre des Affaires européennes, Claudie Aigneret, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, regardez Thierry Marquet, qui lui est de bonne constitution. Il s'est rendu à l'hôtel Drouot lundi soir dernier pour la vente aux enchères au profit des pièces jaunes. Et il a piégé quelques célébrités, quelques people, puisqu'en Espagne, on a utilisé des people pour vanter les mérites de la Constitution européenne. Il a voulu voir si nos people français à nous connaissaient bien l'Europe et l'engagement européen. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Bonjour, hello, buenos dias, guten tag, Thierry Marquet, j'ai testé l'engagement européen des people. Vous vous sentez européen? Ah, je suis profondément européen, oui. Zidane oui. A prôné le oui justement pour l'Europe. C'est vrai, tout le monde prône le oui finalement. Vous savez que l'Espagne vote dimanche pour le référendum? L'Espagne est la première à voter. Voilà, oui. Vous connaissez la date du référendum pour la Suisse? Écoutez, la Suisse ne fait pas partie de la communauté européenne. Exact. Quand on s'appelle Berne, on s'intéresse à la Suisse. Vous savez que Claude Aigneret, qui est ministre des Affaires européennes, part demain en Norvège pour superviser justement le référendum. La Norvège fait toujours pas partie de l'Europe. Vous savez que Claude Aigneret part demain en Norvège? Oui. Et elle veut superviser justement le référendum là-bas. Vous avez quoi à lui dire? Bonne chance. Et vous pensez que l'Allemagne de l'Est va postuler pour entrer dans l'Europe? Et pourquoi pas? Vous pensez que l'Allemagne de l'Est va postuler pour entrer dans l'Europe ou pas? Elle n'est pas dans l'Europe déjà? Non. Elle devrait, oui, ça devrait. Enfin,
Elle devrait même pas postuler, c'est évident. Vous pouvez dire vive l'Europe en espagnol. Vive l'Europe en espagnol, alors je sais, viva sûrement. Oui. J'ai pas fait espagnol en seconde langue, c'est con. Est-ce que vous connaissez la date du référendum en Suisse? En Suisse, aucune idée, parce que je pense pas qu'il y en ait en Suisse. Vous savez que l'Espagne vote dimanche. Vous connaissez la date du référendum en Suisse? Ah, en Suisse, je ne la connais pas, ça je dois dire. Le 20 février pour l'Espagne, ça c'est sûr. Oui. Mais pour la Suisse, je ne sais pas. D'accord. J'avoue mon ignorance. Vous pensez que l'Allemagne de l'Est va postuler pour entrer dans l'Europe ou pas? Non, je pense. J'espère. J'espère tous. Surtout l'Allemagne de l'Est. Oui. Il y a un nouveau pays qui toque à la porte de l'Europe, c'est le Brésil. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Vous êtes pour. Ça va changer beaucoup de choses pour les Brésiliennes et les Brésiliens. Très bien. Qui ont tellement besoin de s'incorporer, d'être avec nous. En espagnol, vive l'Europe. Est-ce que vous savez le dire? Ah, viva Europa. Viva Europa. En lituanien, est-ce que vous viva savez Europa le dire? Viva Europa. En lituanien, non. Ah non, ça c'est Europa Šlipuka. Europa. Europa. Europa Šlipuka. Europa Šlipuka. Allez-y. Europa Šlipuka. Non, Šlipuka. 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 Europa Šlipuka. Vous pourriez faire un geste pour l'Europe pour finir? Bien sûr. Bon ben il y a du boulot, hein. Bravo à Thierry Marquet. On va remercier l'hôtel Drouot et ceux qui organisaient cette vente aux enchères au profit des pièces jaunes pour Madame Chirac, parce qu'ils ont accueilli les caméras de Thierry Marquet, qui a quand même piégé, il faut le dire, quelques personnalités. Claire Chazal, qui a oublié que la Suisse ne faisait pas partie de l'Europe, c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'il y a un vrai boulot d'information, ça veut dire qu'il est nécessaire de recevoir quelqu'un qui va nous en dire plus maintenant sur ce plateau, l'ancienne ministre de la Recherche, actuelle ministre déléguée aux Affaires européennes. Elle est la première femme française, je vous le rappelle, à avoir été dans l'espace. Voici Madame Claudie Aigneret. Pas si vous l'avez vu, il y a du travail, il y a manifestement. Encore du travail. Je suis pas sûr qu'en France on puisse utiliser les people comme je crois les Espagnols l'ont fait pour mobiliser les électeurs espagnols qui eux votent dimanche prochain. Oui, mais il faut de la conviction, de l'envie d'Europe, et je crois que ça c'est présent chez les Français. Alors bien sûr, il faut peut-être pouvoir expliquer davantage comment ça fonctionne. C'est le propos de cette information qu'on souhaite donner aux Français pour qu'ils puissent s'exprimer au moment où ça sera important. On peut trouver ça dans les bureaux de poste, je crois. Alors, celui-ci, on le trouve effectivement dans les bureaux de poste, dans les mairies, ça sera dans les écoles, les universités. Et puis on l'a fait comme ça, celui-là, il sera aussi dans tous les bureaux de poste et dans les centres commerciaux, dans les lieux de vie des Français, pour ceux qui sont intéressés. Sous forme de journal. Voilà, puis le trouver. Il y a là aussi l'intégralité du texte. On n'est pas tous obligés de le lire complètement. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'expliquer. En tout cas, moi, c'est ma mission. Et je trouve que c'est une mission passionnante que de pouvoir parler d'Europe, de donner envie, de se dire d'où on vient. C'est vrai, ça fait 60 ans que cette Europe est en train de se construire. Quel est le projet pour l'avenir? Comment ça s'organise et comment on peut être plus efficace? Les 25 pays, soyons bien clairs, ne voteront pas tous par référendum. Pour certains pays, il s'agira d'un vote parlementaire. Nous, c'est le président Chirac qui a annoncé le 14 juillet dernier que ce serait par voie référendaire que les Français se décideront. Il y a 9 États qui ont choisi la voie du référendum. Effectivement, les autres, c'est une ratification parlementaire. Je lis dans la presse ce matin que M. Chirac souhaiterait peut-être avancer les dates du vote au mois de mai. Il y a des éléments techniques avec la révision de la Constitution, la nécessité d'informer tout le monde qui fait qu'on devrait être prêt à partir du 15 mai, mais je ne sais pas vous dire aujourd'hui vous savez, la date. Vous savez que les raisons que donne la presse ne sont pas celles-là. La presse dit, dans sa majorité, que si on avançait le référendum, c'est parce que M. Chirac craignait que le partisan du non ne l'emporte. C'est pourquoi il avancerait ce référendum pour que les partisans du non n'aient pas fait, selon lui, trop de mal. Actuellement, vous savez qu'il y a 60% des Français qui se sont engagés pour l'Europe et qui se disent c'est bien d'avoir des nouvelles règles. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation? Je pense qu'effectivement, on entend beaucoup le non pour l'instant et qu'il faut qu'on entende davantage les arguments. Oui, c'est pour ça que vous êtes là. Cela dit, ce n'est pas votre bouquin qui va faire qu'on va comprendre, hein, parce que je ne veux pas me mettre... que tous les Français sont comme moi. mais quand même, il faut se concentrer. Hein, et il faut se concentrer beaucoup, quoi. J'ai rien compris, quoi. Non, alors... Attends, Valérie, il faut bien le lire bien jusqu'au bout. Je vais te donner un exemple, page 52. Tu commences l'article 2.77. Et c'est marqué « Toute personne a le droit de jouir ». Tu dis « Youpi, une bonne nouvelle !» Et puis, il faut finir la phrase « De la propriété des biens qu'elle a acquis légalement ». C'est déjà moins bandant, quoi. Je sais ce que je veux dire. Mais vous l'avez lu en entier. Alors, moi, ce qui me semble, pour être très honnête, même dans le cas où je le lirai en entier,
Je suis absolument incapable, ma formation ne me permet pas de lire toutes les choses trappes qui se trouvent dans un texte juridique. C'est vraiment une affaire de spécialiste de lire un texte juridique. Je suis incapable de voir les multiples interprétations qui se cachent derrière une phrase aussi absolument lisse soit-elle d'aspect extérieur. Donc je crois que déjà les Français lisent pas. Vous leur collez dans les mains un machin de 231 pages écrit dans une langue qu'ils ne parlent pas. Donc je crois, en plus, on nous demande de voter pour ça ou... pour rien. On dit oui ou on dit non. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir plusieurs versions de plusieurs Europes différentes, parce que je crois qu'Européens, on l'est tous. Mais là, par exemple, moi, quand on me dit l'Europe aujourd'hui, j'ai souvent l'impression qu'au nom de l'Europe, on cherche à nous imposer des choses qui sont du type de l'Europe libérale, comme par exemple la suppression des bureaux de poste dans les petits villages, qui est criminel. On se verra dans 15 ans que c'était une idée mortifère. Et on se dit, c'est à cause de l'Europe. Donc, on a quelques petites préventions. Donc, voilà, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait quand on fait ça. Donc, c'est beaucoup une affaire de spécialistes. Ne me dites pas le contraire. On peut poser des questions. Nous, on est à disposition pour répondre, d'autres gens sont à disposition pour répondre. Et puis à partir de là, les politiques qui seront mises en œuvre, et vous le savez, depuis le temps que cette Europe est en train de se constituer, il y a eu des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche. Pourquoi, finalement, ceux qu'on a élus au Parlement, ceux que les Français ont désignés, pourquoi c'est pas eux qui auraient... Parce que Jacques Chirac a du feeling. Il sent quand il faut faire voter les gens, on l'a vu avec la dissolution de l'Assemblée quand même. Mais c'est très risqué quand même, franchement. Est-ce que Jacques Chirac n'aurait pas fait ça justement pour vous donner vraiment une occasion de montrer vos talents? Vous vous rendez compte à quel point ce référendum vous met dans l'actualité, vous donne du grain à moudre? C'est mais formidable. Moi, est-ce que ce n'est pas une faveur qui vous a faite, ça, justement? Peut-être, pourquoi pas, mais c'est de quoi vous êtes capable, peut-être. Vous savez bien que j'aime relever les défis et que j'aime m'engager pour des missions. Et cette mission-là, s'engager pour une mission pour on a envie de vous dire oui, évidemment. Ben voilà, mais merci, je ne regrette pas de venir vous voir aujourd'hui. Vous sortir en état d'apesanteur, quoi. Vous devez être totalement... Non, j'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre, si j'ai accepté de venir ici. C'est embêtant ici. Pour une astronaute, non? C'est fini. Il faut bien redescendre de temps en temps. Moi, j'ai vécu des moments merveilleux à bord. Annie Lemoine, sans me dire si vous allez voter oui ou non, est-ce que vous savez déjà si vous allez voter oui ou non? Je vais vous dire, je vais voter oui. Ouais. Évidemment. Et c'est plus l'heure de dire, mais est-ce que ça va pas être un vote contre Chirac? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Il faut juste s'engager maintenant et qu'on entende effectivement les gens partisans du oui dire pourquoi il faut voter oui à cette constitution. Il faut y aller maintenant. On peut pas prendre le risque que ce soit non. Et c'est le travail qu'il faut attention, faire. Attention, je sens qu'il y a du non par là. C'est un travail d'explication. Et moi, je me dis, mais c'est pourquoi? Parce que ça va ne pas faire confiance. Évidemment que les gens ne vont pas lire le livre. Il faut pas non plus les surestimer. Mais ils vont écouter les voix de ceux qui sont pour le oui ou pour le non, d'ailleurs, malheureusement, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, qu'il n'y en aura pas beaucoup, et ils vont se définir comme ça, en fonction de ceux qui vont prendre la parole. Alors oui, il faut dire oui à l'Europe, oui, il faut s'engager avec l'Europe, et c'est faire le monde d'aujourd'hui, pas le monde de demain. Donc oui, votez oui. Il faut l'engager. Jean-Bernard, vous l'avez décidé ou vous... Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui encore hésitent entre le oui et le non. Non, d'abord, moi, je n'hésite pas. Évidemment, ce sera oui. Évidemment, je voterai pour l'Europe. Évidemment, je trouvais que c'était très malin de la part de Jacques Chirac de nous envoyer Claudine Ignoret, parce que, évidemment, à elle, on ne peut pas lui dire non. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et là, moi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, c'est plein de bonnes intentions, évidemment. Premier article, article 384, les États membres évitent les déficits publics excessifs. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est comme, vous savez, quand on fait la rentrée à l'école, cette année je vais bien faire mes devoirs. Puis au bout de 15 jours, on fait n'importe quoi. Donc j'ai peur que tout ça soit une très belle déclaration d'intention qui sera politiquement très peu suivie d'effet. Et alors l'autre chose sur la politique culturelle, parce qu'il y a quand même eu l'exception culturelle, moi je trouvais ça intéressant. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. C'est du salmigondi énarquien. Ça dit tout et n'importe quoi en même temps. Évidemment, qui va dire le contraire? Qui va dire qu'on ne veut pas... Il a bien fait dire qu'il allait voter oui avant. Parce que je trouve, bien sûr, qu'il faut voter oui. C'est évident qu'il faut voter oui. C'est notre avenir, c'est celui de nos enfants. Mais il ne faut pas laisser ça aux mains des politiques tels qu'ils s'en servent aujourd'hui. C'est bien que ce soit Claudine Ignoret et que ce ne soit pas un membre de l'UNP, parce que là, je lui serais vraiment rentré dans l'art. Monsieur de Villepin, il est pour le oui? Parce que ça m'intéresserait qu'il m'explique le mode d'emploi. Elle aime bien monsieur de Villepin. Ouais. Mais je crois qu'il est pour le oui. Mais bien sûr. Sans voilà. Alors, sans aucun s'il doute. M'explique, moi je veux bien. Bon, alors, je lui transmettrai. Là, le truc, la ficelle est énorme, c'est du câble. Mais ce que je peux. Moi-même, chère madame, je ne suis pas très bien décidé.
Si vous pouviez me prendre un son particulier aussi. Pierre, enfin. Ah bah écoute, moi j'ai une bonne raison pour voter oui, c'est que De Villiers veut voter non. Alors moi, rien que ça, ça m'encourage à voter oui. Voilà. Je vais rappeler le numéro de téléphone. Parce que c'est vrai, si pour certains cela peut sembler long, fastidieux de lire cette Constitution européenne, il y a des questions qu'on peut se poser et on y trouvera peut-être des réponses, en tout cas je l'espère, en appelant un numéro azur, comme on les nomme, le 0810 2005 25. Madame la ministre, on vous remercie. Ministre des Affaires européennes, Madame Cadieux-Murray. Malgré la volonté d'apaisement affichée par le ministre de l'Éducation, M. François Fillon, plusieurs millions de lycéens et d'enseignants ont défilé hier, en milieu d'après-midi, à l'appel de leurs principales organisations syndicales pour exiger, vous le savez, le retrait du projet de loi d'orientation sur l'école. Un important service d'ordre avait été déployé pour éviter tout débordement, mais hélas, vous l'avez certainement entendu, des casseurs sont quand même venus semer la zizanie dans le cortège. C'était la panique. Les manifestants criaient parfois « Fillon, Fillon, Fillon ». Le ministre a failli croire que pour une fois on l'acclamait, ce n'était pas le cas. Pour parler de ces manifestations, accueillons une lycéenne qui a 17 ans, elle est présidente de l'Union nationale lycéenne, elle va nous parler de cette journée d'hier. Voici Constance Blanchard. Bonjour, bienvenue. Alors vous êtes donc présidente de l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne, c'est bien ça? Tout à fait. Alors qui est apolitique ou qui est un peu politisé quand même? On est affilié à aucun parti. Dans nos troupes, il y a des gens qui sont adhérents dans un parti ou dans un autre. Il y en a qui ne le sont pas, mais on n'est pas affilié à l'un ou à l'autre. Je comprends que vous ayez été élue présidente parce que vous avez la parole facile, manifestement. Et quels sont les slogans les plus amusants, les plus rigolos ou les plus justes que vous avez entendus hier dans la manif? Alors, on entend un peu tout. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de jeux de mots qui peuvent se faire avec Fillon. Ne creuse pas le trou, Fillon, évidemment. Alors je l'ai entendu. Oui. Alors, de notre côté, c'est vrai que ça reste plutôt pour le maintien des TPE. Enfin, c'est vraiment des trucs où on n'essaye pas tout le temps. Alors, rappelez-moi, parce que les TPE à l'époque, moi, vous savez. Alors les TPE, c'est les travaux personnels encadrés. Et en fait, c'est quelque chose qui est proposé aux élèves de première et de terminale. C'est un projet qu'on doit faire en équipe sur 3, 4 ou 5 mois de temps en temps selon les établissements. Et ça allie au moins deux matières. Donc par exemple, les sciences et la philosophie en filière scientifique. Et c'est quelque chose qui nous permet de travailler en autonomie, de gérer un calendrier et surtout d'allier plusieurs matières. Mais je crois que M. Fillon a accepté que ça reste en première et que même les notes soient comptées pour le baccalauréat. Et en revanche, en terminale, il dit qu'il faut laisser un peu de temps pour les autres matières. Alors au début, ils voulaient vraiment les supprimer en terminale. Oui, quand même que je connais le dossier. Hein. Voilà, c'est passé pour la terminale. Et par contre, c'est seulement depuis quelques jours qu'il dit, bon, on pourrait peut-être prendre la note en compte de la première pour que ce soit compté dans le bac. Donc on voit, on avance petit à petit. Bon, la réforme du bac, ça, il l'a abandonné. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même d'autres vraies bonnes raisons de manifester hier. Ah bah complètement. Sauf que là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'est-ce que vous avez été suffisamment entendu? Est-ce que vous étiez suffisamment nombreux hier? J'ai l'impression que le reste de la réforme va être voté là dans les jours qui viennent. Bah, non, c'est bien ça le problème. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? C'était trop drôle hier. C'était contre la sourdingue attitude du gouvernement. Oui, il y a eu beaucoup de choses, évidemment, avec la négative attitude. Nous maintenant, on adopte la lycéenne attitude aussi. Oui, c'est malgré les casseurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on déplore. On essaye de garder le moral. La preuve, hier, on a eu de la grêle, on a eu de la neige, il faisait très froid, il y avait du vent. On était quand même très nombreux. Et je pense que c'est ça le message fort. Est-ce que c'est le gouvernement, la grêle, le froid, tout ça? C'est une manœuvre du gouvernement? C'est la rentrée des glaces. Alors, là. À la question, vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des amendements, on l'imagine, et tout ça, mais au final, elle va être votée, cette réforme? À l'UNL, on demande quand même de reprendre, quand l'atmosphère sera plus sereine, les négociations par rapport au bac, parce qu'on estime, et on le dit depuis des années, le bac est imparfait actuellement, et il faut trouver une autre réforme. C'est pour ça que nous, on propose le système de partiel en première et en terminale, aussi pour que les lycéens aient des méthodes de travail qui leur servent dans le supérieur, parce qu'actuellement, les lycéens ont peur de la première année de fac, parce qu'on a notre bac, mais on ne connaît pas ce qu'on nous demande comme méthode de travail. C'est pour ça que les TPE aussi, ça y contribuait, parce que c'est on gère un emploi du temps et on est un peu, on est en autonomie. Et donc c'était vraiment un point. Je ne comprends pas votre système de partiel, ça paraît bien sur le papier, mais supposons que quelqu'un fasse un partiel qui compte pour le bac à la fin, en première, qu'il se plante. Donc si en plus, dès la première, vous avez une note
qui va vous handicaper pour la suite et que vous ne pouvez pas la changer, comment vous faites? Il y a déjà les épreuves anticipées en première, de toute façon. Donc, si on se plante en première... Partiel, ça ressemble un petit peu à un contrôle continu, si vous mettez des partiels intermédiaires. Oui, mais dans ce cas-là, on ne prend pas toutes les notes, parce que prendre toutes les notes, c'est quand même beaucoup trop, alors que si elle est partielle, on sait que ce jour-là, à cette heure-ci, on a quelque chose de très important. Et ben, enfin, je veux dire, c'est comme les épreuves... C'est pas comme un contrôle continu qui serait valable sur tous les examens de l'année. Annie Lemoine. Moi, je suis désespérée. Et j'ai aucune chance d'être entendue, mais je vais quand même parler. Parce que t'auras jamais ton bac, tu le sais. Cette année, c'est vous. Mais dans 2 ans, ce sera quelqu'un d'autre. Dans 10 ans, encore quelqu'un d'autre. Et puis, il y aura d'autres ministres. Et c'est toujours la même chanson. Il n'y a que les présentateurs télé de JT qui sont contents parce qu'ils se disent le matin, chic, on a une bonne manif, ça va faire l'ouverture du journal. C'est tout. C'est toujours la même danse. On nomme un ministre. En face, il y a la même rébellion. Et c'est bien d'apprendre à contester. C'est bien aussi de manifester. Mais il y a eu Devaquet, il y a eu Bérou, il y a eu Balladur, il y a eu Ferry, tous les autres, Allègre. Et à chaque fois, c'était la même chose. Ils proposent une réforme quand ils arrivent, parce que c'est leur boulot de proposer une réforme et parce qu'il faut bien avancer. Et en face, il y a les étudiants et les lycéens qui descendent dans la rue à peu près à la même saison, au printemps, et c'est sympathique. Alors, il faut sortir de ça. Il faut manifester, d'accord, mais manifester pour un grand chantier de l'éducation nationale au-dessus des clivages. Mais on est il faut fou, des c'est gens ce qu'on qui propose, soient unis, hein. Parce que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important dans un pays. Donc, il faut des gens de droite et de gauche qui réfléchissent à ce que doit être l'éducation et l'enseignement. Moi, je suis d'accord avec vous. À court terme, sur un an, etc. Le ministre, il va partir, demain, il va dégager parce que la bombe va lui exploser dans la figure. Ça fait 10 ans qu'elle existe. Alors, on s'en fout des partiels, on s'en fout du bac, etc. Il faut un grand chantier, il faut réfléchir à ce qu'on veut. On n'est pas écouté, on est reçu par le ministère depuis des années, ça fait 10 ans qu'on existe. Évidemment, ce n'est pas seulement à cause de la loi Fillon, c'est parce qu'il y a un malaise. Pourquoi les lycéens s'ennuient? Et encore, je suis polie au lycée. Pourquoi il y a autant d'élèves qui sortent du système éducatif tous les ans sans diplôme? Mais oui, mais posez-vous la question, pourquoi aucun ministre de l'éducation ne parvient à imposer une réforme? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gouverner? Je dis pas parce que parce que quand on est écouté, on ne prend pas nos revendications en compte. Mais on ne va pas faire votre politique, c'est pas la vôtre qu'on doit faire et c'est pas vos suggestions qui sont forcément les meilleures. Ce qu'il faut, c'est ouvrir. Mais c'est au gouvernement d'ouvrir. Eh bien, oui. Alors, faut arrêter de gouverner à droite, à gauche, machin, ça. Au-dessus, l'éducation, ça, c'est beaucoup plus important qu'une politique de droite, mais une politique de gauche. Mais tu procès à cette jeune fille qui a une maturité absolument exceptionnelle. Je dis que je suis lassée. C'est bien qu'elle ait l'esprit de rébellion, mais comprenez bien. Et c'est bien que vous y allez. Mais moi, je vois ça. Ça fait 20 ans que j'y suis, comme dit l'autre. Elle a vieilli, notre amie. Ouais, c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que depuis 2 semaines, enfin, nous, il y a 2 semaines, on expliquait que les organisations lycéennes ont manipulé les lycéens. 2 jours après, c'était les enseignants qui nous manipulaient. Après, on a été manipulés par le Parti Socialiste. Enfin, on essaye de trouver un coupable. On essaye aussi. Enfin, ce matin, j'étais à une autre émission de télévision où quelqu'un a appelé. Et m'a clairement dit, les lycéens, vous faites chier, fermez votre gueule. Et en expliquant, depuis tous les ans, enfin tous les 5 ans, il y a une mobilisation lycéenne. Vous voulez avoir votre mouvement parce que ça fait bien. Et on sait très bien que l'éducation en France, on a du mal à la faire avancer. Mais nous, à l'UNL, on a des projets. Il y en a qui ont abouti. Jean-Bernard Hébé. Moi, je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, il y a un grand malaise chez les lycéens. Mmh. Évidemment qu'il y a un grand malaise chez les lycéens. Ils font des études qui sont ce qu'elles sont, et ils savent que tout ça, ça va fabriquer des chômeurs. Ils savent que dehors, ils n'auront pas de boulot. C'est ça le vrai problème. Et quand un ministre, mais ils ont tous été comme ça, il y a eu 10 réformes, elles se sont toutes fait jeter, quand un ministre dit, bon, ben maintenant, on va essayer de donner une éducation qui va permettre d'avoir un boulot à la sortie, et peut-être même de travailler avec des entreprises dans les grandes universités. Oh là là, comment on veut nous faire des choses? Donc, vous creusez vous-même votre propre tombe. Je suis désolé, j'ai vu les... Si. Vous connaissez M. Sellier. Vous connaissez M. Sellier. Arrêtez la caricature. Mais oui, le retour du baron. Arrêtez la caricature. Mais non, c'est vrai. Madame est d'accord. Si tu savais ton avis où on se le met. Isabelle Adrozo. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure où on nous dit que les ados passent leur temps à fumer des pétards en attendant de dépenser le pognon de leurs parents, moi, ça me fait un bien fou de voir qu'ils descendent dans la rue pour un acte qui est un acte autonome de citoyenneté. Donc moi, je suis très contente. Ça fait des vrais bons citoyens de la République française pour demain. Eh bien, bravo. Merci. Je vais vous demander de rejoindre une camarade, Valérie Mérès. Parce que vous représentez l'UNL, pas l'UNL Jospin, l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. Bon, c'est un syndicat lycéen, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi la Fédération de lycéens au collège. Et je vous demande d'accueillir une concurrente, la porte-parole de la Fédération de lycéens. Vous connaissez, non? Non. Je vais découvrir. La porte-parole de la Fédération de lycéens au collège, elle s'appelle Lédis Bouba.
Voilà. Vous avez entendu le débat, vous allez nous dire vous aussi ce que vous pensez de la loi Fillon. Bah déjà, je représente les 10 Boubas, la FLC. En vrai, je m'appelle Ghislaine, mais c'est la honte. Je préfère les 10 Boubas. Si tu m'appelles Ghislaine, je t'éclate la tête. Qu'est-ce que je voulais dire, La loi Fillon. La loi Fillon. Alors, j'ai essayé de m'intéresser. Hier, j'ai regardé, le discours à Françoise Fillon, là, dans l'amphithéâtre, sur la 3, à la télé. T'sais. L'Assemblée nationale, vous voulez dire. Ouais, c'est ça, son classe, leur salle de classe. Franchement, c'est pas comme les nôtres, il y a du velours et tout, c'est bien. Par contre, ils ont pas de problème de sureffectif, hein. Franchement, ils étaient 4, les biocs. En plus, ils ont le droit de dormir en cours, ces bâtards, j'arrive sur la Franchement, j'étais dégoûtée. Alors, tu sais, j'essaye de m'intéresser, comme ça, de faire ma curieuse, j'écoute et tout, mais franchement, le discours, il était même pas sous-titré, tu comprends pas, tu sais. À un moment, j'ai cru que j'étais sur Arte. Heureusement, il y a le petit bonhomme en bas de l'écran, tu sais, celui qui fait des sites, comme ça, Bernardo, là. Lui, ça va, on comprend qu'est-ce qu'il dit. Heureusement, il est là, lui, sérieux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, comme réforme dans l'éducation nationale? Déjà, c'est vrai, faut réduire les effectifs, on est trop nombreux. Ah oui. Moi, dans ma classe, on est 164, t'imagines? Non, franchement, je te dis franchement, le temps qu'on s'installe dans la salle de classe, déjà le cours, il est fini, ça sonne, c'est fini, ciao, au revoir, merci. Et il faut alléger. Moi, je me porte volontaire, hein. Je peux rester chez moi, si ça fait de la place, c'est bon. Et l'échec scolaire, alors qu'est-ce que vous pensez de l'échec scolaire? C'est bien ça! C'est très bien ça, il y a déjà l'échec vacances, l'échec restaurant. Si, c'est bien l'échec scolaire pour acheter le. Pour acheter le fournitures, ouais. Bien sûr. Et alors la réforme, ça a été le point de départ des manifestations. Ouais. François Fillon l'a retiré, mais la réforme du bac en contrôle continu. Bah ça, c'est pas une réforme, ça y est déjà, ça. Ah bon? Ah bah ouais, dans mon lycée, matin, midi, soir, c'est le contrôle, ils nous contrôlent, c'est le contrôle continu, c'est la BAC qui fait ça, tu sais, la brigade anti-caïra, là. Ah non, ils contrôlent continu, là, bah tout le temps, y a pas de problème. T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Voilà. Il y a le BAC et la BAC. Ouais, nous, c'est la BAC et c'est du contrôle toute la journée. Et le contrat individuel de réussite éducative, ça, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine? Non, mais c'est bien, le contrat, c'est faut le laisser, ça, c'est peut-être le seul contrat que j'aurai dans ma vie, donc ça, moi, je dis, c'est très bien, c'est une bonne initiative. Qu'est-ce que vous pensez du socle commun de connaissances? On en parle souvent. Déjà, je sais pas où ils sont allés chercher ce nom bâtard, on comprend même pas, c'est pour nous embrouiller, tu sais, mais j'ai compris, c'est un espèce de tremplin vers la réussite, un trampoline, là, c'est bien, ça. Ça, c'est bien de prendre son élan, de s'envoler, après, faut voir où c'est que t'atterris, tu sais. Non, mais c'est ça, s'ils prévoient pas un matelas derrière, après, tu t'éclates la gueule par terre, ça sert à rien, faut réfléchir un peu à qu'est-ce qu'ils font. Et surtout, c'est pas les bonnes matières qu'ils ont mis dedans, tu sais, c'est des matières fondamentales, ils disent et tout. Moi, je sais qu'est-ce que c'est, les indispensables, c'est le sport. Ouais. Déjà, faut qu'il y ait le sport, parce que là où j'habite, faut savoir courir vite, je te dis pas. Sinon, t'as chaud au surf. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La musique, c'est bien ça, faut enseigner la musique, bien sûr, parce que t'as plus de chances de rentrer à la Starac qu'à la fac chez nous. Hein, c'est moins cher en plus. Alors, les idées de réforme de l'UNL que vous avez entendues dans la bouche de notre jeune invitée, Constance Blanchard. Ah, c'est bien, il y a des trucs bien. Par exemple, l'accès à la culture pour tous, là, la création d'impasse culture, c'est bien ça, parce que chez nous, c'est en un mot, c'est l'impasse culture pour l'instant, donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai entendu passer le bac en partiel. Oui. Ça, j'aime bien ça. Après ça, tu le passes pas entièrement, tu passes partiellement, tu choisis tes matières, c'est parfait. Mais je connais bien, moi, les problèmes d'éducation. Ah oui? Ah, moi, j'ai déjà été enseignant à l'école. Ah bon? Bien sûr, je m'étais coupé le doigt. J'étais enseignant, t'as compris? Chénier, bâtard. Ah oui. Chénier, enseignant. Ah oui, enseignant. Bien sûr. Elle a compris, la petite. J'imagine que, comme les lycéens hier, qui étaient au total sur toute la France, sont à peu près 100 000, vous avez manifesté, vous aussi? Ah, j'ai pas le temps, moi, je travaille, j'ai pas le temps de manifester, t'es fou. Par contre, faut continuer à manifester, les gamins, c'est bien, c'est bon, ça. Parce que moi, j'ai acheté un stand de kebab, place de la République, avec mes potes Titou, JC, Pablo, John et tout. Donc, il faut y aller, puis il faut prendre des forces chez ce Bouba. Voilà, il faut venir manger les kebabs. Ah, vous n'êtes pas lycéenne, alors, en fait? Si, enfin, on est au collège, là, je suis en 4e 2, mais on avance. Mais vous travaillez en même temps? J'ai 31 ans. Ouais. Exact. Je vends des kebabs, place de la République. Bon, ouais. Donc je suis pour les manifs. Allez, sur ce, ciao, j'ai du boulot. Au revoir, les 10 Boubas. Florence Foresti. Bon. Je vous l'accorde, c'était un peu caricatural. C'est vrai, mais elle a retenu quand même des trucs, le passe-culture. Oui, bah ça me fait plaisir. Vous êtes bien fait de venir de toute façon chez nous, parce qu'en plus, vous allez repartir avec un CD, dites donc. Bon, on va vous proposer alors Willy Denzey, « Si tu n'existais pas ». C'est une reprise, ça, c'est Joe Dassin qui chantait cette chanson. Eh oui, on accumule les erreurs. On regarde d'abord. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. J'adore ça alors! Oui, c'est bien, c'est du
papier carbone de tout ce qui marche aux États-Unis, traduit en français. Oui, ouais. Ouais, mais j'aime beaucoup. Puis alors, c'est vachement bien parce qu'on connaît forcément les paroles par cœur. Donc, quand vous entendez ça dans un grand magasin, vous chantonnez, à côté, il y a un mec qui dit trop forte la meuf, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. C'est bien, c'est de la bonne musique d'ascenseur, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, je préfère quand il chante des choses personnelles. Pour cette version de « Et si tu n'existais pas », j'ai envie de lui dire « Et si tu ne la chantais pas, plutôt ?» Moi, si tu n'existais pas, je m'en foutrais totalement. Valérie Mérèf. Le problème, c'est justement, moi, je la connais, puis c'était Joe Dassin qui l'a chantée, puis j'avais Joe Dassin dans la tête, alors c'est vrai que ça m'intéresse pas, les remakes. Alors, moi, je connais deux noms, je suis pas une grande fan du R&B français, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de reprises, et je trouve ça dommage de reprendre tout le temps... Bah alors justement, il me semble que c'est des reprises là dans l'album que je vais vous proposer. Maintenant, c'est Patricia Cass, toute la musique que j'aime. Mm-hmm. Bah moi, j'ai eu une bonne nouvelle quand l'album est arrivé à la maison, c'est qu'il était vide. Donc j'ai dit, c'est très très bien. Regardez, c'est parfait. Toute la musique que j'aime. Et là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Une chanson de Johnny, reprise par Patricia Cass. Isabelle. Moi, je crois que Patricia Cass peut à peu près tout se permettre, elle peut tout chanter et c'est une bête de scène, donc moi j'adore. Pierre. Moi, je préférais quand elle imitait des chanteuses françaises. Là, à la limite des chanteurs américains, j'aime pas trop. Non. Johnny, un chanteur Johnny. Américain Johnny. Oui, c'est un chanteur qui imite les Américains, quoi. Ah ouais, Valérie. C'est un chanteur américain. Moi, je demande à la voir sur scène parce que c'est vrai qu'à l'écoute, je préférais quand c'était Johnny, quoi. Jean-Bernard. Ah oui, quelqu'un qui imite, c'est fait un peu beaucoup d'imitation. Même le spécialiste pense comme moi. Mais elle fait pas de l'imitation, elle met toutes ses tripes dans son spectacle. Non, c'est des fausses tripes. Moi j'ai vu. Mais qu'est-ce que t'es réa que t'es grognon, toi, aujourd'hui. Oh, mais je suis pas grognon, on dirait une lycéenne. T'es grognon. Choisir avec lequel vous partez, avec Willy Denzey ou avec le DVD de Patricia Cass. Vu que j'ai de la famille dans le Nord, je vais favoriser une fille du Nord, donc je vais prendre Patricia Cass. De l'Est, Patricia Cass. Parfait, voyez, les gens aiment Patricia Cass. Ouais. Merci à vous, Constance Blanchard, présidente de l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. Nos derniers invités pour ce soir, puisque lundi est sorti Les Frères Jacques, un double DVD sur le fameux quatuor qui a redonné le sourire à la France d'après-guerre et a permis à Pierre Bénichou et Jean-Bernard Hébé de draguer leur première fiancée. Les Frères Jacques, c'était par exemple les chansons à la Saint-Médard, la truite, la confiture qui a servi de publicité pendant longtemps, la queue du chat et même la fameuse digue du cul, et oui, qui restera définitivement dans les annales. Avec ce double DVD, vous serez incollables sur Les Frères Jacques. Peut-être vous les découvrirez si vous ne les connaissez pas bien ou pas du tout même, et pour en parler, pour vous les faire connaître, les Frères Jacques, on va accueillir la mémoire vivante de la télévision française. Il a d'ailleurs réalisé le documentaire qui figure sur l'un de ses DVD, puisqu'il y en a deux. Lui, c'est Pierre Tchernia, et il est accompagné par un des Frères Jacques, Paul Touraine. Monsieur Tchernia, bienvenue. Et Paul Touraine, un des Frères Jacques. Bonjour l'ami. Bonjour. Vous ne portez plus le collant, c'est fini. Hein. Il est dessous. Pour les sports d'hiver, c'est bon. Je vous le conseille à tout le monde. Parce que les Frères Jacques, évidemment, dans l'esprit de tout le monde, c'est le chapeau, sont les... Dès le départ, ils avaient ce costume, les Frères Jacques. Oui, oui. Presque quelques mois après, Jean-Denis Malclès a eu l'heureuse idée de nous dessiner ce collant qui a défini notre style, je veux dire. Alors, écoutez, là, sur le deuxième DVD, c'est vous qui réalisez un documentaire sur l'histoire des Frères Jacques. Sur le premier, on a des images de différents concerts et toutes les plus grandes chansons des Frères Jacques qui sont réunies. C'est un formidable travail. Quelques extraits, peut-être pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas les Frères Jacques. Voici les Frères Jacques. Allons, l'esprit n'est pas encore là, unissons nos fluides et recommençons nos épaules, que le chat s'enfuit. La truite de Schubert. Mon amant était d'humeur changeante, il la plaqua pour aller au Brésil. Alors du vice, elle descendit la pente, et de son corps, elle fit un outil. Car son rêve, c'est un peu, madame, j'aperçois. On sourit pour l'éternité.
C'est ce qui s'appelle joindre le geste à la chanson. Hein, je ne voudrais surtout qu'on n'oublie pas nos deux pianistes qui ont été deux éléments très, extrêmement importants dans notre tour de chant, parce que ce sont nos initiateurs musicaux. Et voilà, Pierre-Philippe d'abord, oui, et ensuite Hubert de Gex. Ça me fait un point commun avec vous, parce que moi j'ai été accompagné par Hubert de Gex au caveau de la République. Vous le saluerez de ma part. Il n'avait accompagné que des femmes avant de nous connaître. Ben oui, et puis après moi. Jean-Bernard Rêvé, c'est pas votre... Un type qui, pendant des dimanches entiers, des mois et des années entières, a inventé les mérites du rock'n'roll sur une radio nationale, vous n'allez pas me dire que vous êtes un fan des Frères Jacques, Jean-Bernard Rêvé. Attendez, je ne vais pas esquiver votre question, mais je suis un immense fan de Pierre Tchernia. Parce que quand j'étais petit, je disais, quand je serai grand, je voudrais être Pierre Tchernia. C'était... Trop tard. Formidable, quelle carrière, vous rendez compte. C'est vrai, moi aussi, moi, je disais, je voudrais être Jean-Bernard Hébé. C'est fou. Et tu m'es presque arrivé. Encore une cravate et tu y arrives. Voilà, mais cravate, c'est une question. Quand tu étais petit, Pierre Tchernia était déjà grand? Ben oui, il était à la télévision, il a commencé très très jeune. Et moi, je le voyais dans Monsieur Cinéma. C'est lui qui m'a initié au cinéma. Pour ce qui est des Frères Jacques, je vais peut-être vous étonner. C'est vrai que je n'étais pas fan à écouter les disques des Frères Jacques du matin au soir. Par contre, et là où je me suis surtout aperçu que c'était éternel et qu'on n'avait pas le droit de se tromper, c'est que je n'ai plus le DVD parce que mes filles l'ont déjà pris et qu'elles chantent tout le temps la truite, le petit bout de la queue du chat. Donc ça veut dire que ça continue. Oui, mais tes filles ont 42 ans. Annie, écoutez, alors... Oh, pardonnez-moi à l'avance, mais alors moi j'avais deux peurs quand j'étais une petite fille, c'était Belphégor et c'était les Frères Jacques. Mais je sais pas pourquoi. Mes parents avaient un 45 tours, faut expliquer ce que c'était peut-être aux enfants ou aux adolescents ce qu'était un 45 tours, une pochette en carton avec un disque à l'intérieur, et c'était la truite. Et vous m'avez fait peur parce que vous étiez toujours habillée de la même façon, parce qu'on voyait pas les individualités sous les masques. Oui, un peu comme des fantômes, en fait. Vous étiez araignée des gambilles. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui en vrai, parce que j'exorcise quelque chose. Vous voyez, j'ai attendu un petit peu de temps. Isabelle Alonso. Ah, moi, ma relation avec les Frères Jacques, elle est principalement alimentaire, voire gastronomique, hein, puisque ma chanson préférée, c'est évidemment l'entrecôte. Moi, je l'avais entendue une fois, elle m'est restée dans la tête, dans l'atelier qui bourdonne comme une ruche. La petite Lisette sanglote en travaillant, car son grand-père est mort de la coqueluche. Elle reste seule pour nourrir cinq enfants. Dix petits pieds réclament des chaussures. La neige tombe, il va sûrement faire froid. Tout en cousant pour de riches créatures. La petite main sans frissonner ses doigts. Et là, elle coupe le fil. Et dans cet atelier, et dans son estomac que torture la faim, elle sent que grandit la peur du lendemain. Et c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes. Quel travail pour les gens de la haute, et qu'elle devint la femme à tout le monde. Bravo Isabelle. D'avoir sorti ce DVD, parce que j'avoue que quand j'étais enfant et adolescente, j'étais complètement passée à côté. Moi, je préférais Pink Floyd, quoi. C'était pas mon truc du tout. Oui, les c'est votre Jacques. Droit, ma chère. Hein, voilà. Et, oui. et là. Les Beatles, ils ont beaucoup copié, vous savez. Ils étaient quatre comme eux. C'est une idée qui vient d'eux. C'est une idée qui vient d'eux. Oui, mais ça a jamais marché. Mais je me suis. J'ai adoré, je vais montrer ça à mon fils qui va adorer aussi. Vraiment, merci. Et puis Pierre, j'aimerais vraiment que vous reveniez à la réalisation. Eh ben, on Il a déjà réalisé ce documentaire, oui, c'est pas mal. Alors, c'est vrai ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle aimerait bien avoir un rôle. Oh ben pour le viager, vous êtes bientôt prête. C'est l'heure du kick à déconner. Alors nous avons maintenant une proposition à vous faire, c'est peut-être de faire passer en tête Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il est quand même déjà numéro 2 dans notre Kick à déconner avec 300 points. Et là-haut, merveille, ça va faire bouger notre classement. Ce matin, on ouvre le Figaro et qu'est-ce qu'on voit? Que Giscard a acheté un château, hein, le château d'Estaing, parce que bon, ça lui suffit pas d'être académicien, il voulait avoir son propre château, le château avec son nom, donc il a acheté dans l'Aveyron le fameux château d'Estaing, je suis Chacula. 0, 10, 20 ou 30 points pour cette coquetterie supplémentaire, Valérie Mérès.
20 points. Il adore tout ce qui brille, les bijoux, les châteaux, tout ça. Moi, je mets 30 points, évidemment. Parce que il s'appelle Giscard, il s'est fait appeler Destin. Il aurait pu faire croire que c'était au moins sa terre d'origine. Il aurait pu faire croire que ce n'était pas un nom d'emprunt, comme disait De Gaulle. Isabelle ? 30 points, parce que les fausses blondes cachent leurs racines et les faux aristos les montrent. Wow. Jean-Bernard ! Je suis quoi ? Mais c'est vrai, enfin, il a acquis avec forte monnaie sa noblesse qu'il n'avait pas eue par ailleurs. Annie Lemoine ! Écoutez, non, 0 points, il est fidèle à lui-même et moi je salue sa constance. 0 points, en pleine crise de logement, c'est bien qu'il ait trouvé un pied à terre. Combien de points pour Giscard, Pierre Tchernia, Paul Touraine ? 10 points, pourquoi 10 points ? Pour mettre quelque chose, pour jouer. Ça fait un total pour Giscard de combien ? 120 points, aïe 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 ! Raté ! Il devient numéro 1 à égalité avec le président Chirac, mais il n'est pas passé devant. De toute façon, il a toujours tout fait pour le faire chier, donc c'est on normal. On propose évidemment aussi Hervé Guémard pour l'appartement du ministre des Finances dont nous parle le Canard Enchaîné et toute la presse ce matin qui reprend l'info du Canard. Évidemment, un loyer mensuel payé par l'État de 14 000 euros, un 600 m² qui est en duplex, qui n'était pas en duplex au départ. Il a fallu 15 000 euros d'euros pour rejoindre les deux appartements de chacun 300 m². Bref, plus 5 fonctionnaires de Bercy, ça fait beaucoup pour un ministre qui veut évidemment qu'on fasse des économies. 0, 10, 20 ou 30 points, Valérie Mérès. 30 quand même. Ouais. Et j'aurais pu mettre 60 puisqu'il y a 600 m². Pierre. Je mets 30 points parce que c'est une telle bêtise. Il faut faire semblant, il faut payer en douce, se dire que ça coûte 10 000 francs par mois. On peut pas être si bête. Enfin, Isabelle Alonso. Ouais, c'est le comble de l'obscénité en l'occurrence. Jean-Bernard Hébé. Moi, je lui mets 0 parce qu'en tant que ministre des Finances et je crois catholique pratiquant, il dit charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas plutôt que vous avez la trouille d'un contrôle fiscal. Non, ça c'est déjà fait. Annie Lemoine. 20 points parce que c'est trop de naïveté ne pas avoir pensé qu'on pouvait un jour lui reprocher. Jean-Luc. Parce que dans les journaux, on voit qu'il y avait un troisième appartement disponible en dessous de 300 m². Il l'a pas pris, c'est un petit joueur. Paul Touraine, 0 points. 0 points. Ben, je vais venir à son secours un petit peu parce que moi j'aime bien le Canard Enchaîné, je le lis, mais il y a quand même une chose qui. Le Canard dit selon. Alors selon, il y a un petit doute. Ah non, mais il a reconnu. Ah, il a reconnu. Il a reconnu depuis et il dit qu'il a fait ça hier. Il a reconnu, on a interrogé un appartement témoin qui a tout de suite. Il va devenir un voisin et puis. La déclaration arrive bientôt, alors je voudrais quand même... Bon, alors 10 points en pour tant que tricheur, Hervé Guémard, ça fait un total de 150. Belle entrée, hein. Je vous propose maintenant Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, entraîneur français, alsacien d'origine, qui pour la première fois, choking in Great Britain, qui pour la première fois a fait jouer tout un club anglais uniquement avec des joueurs étrangers. Une équipe anglaise 100% étrangère, ça vaut 0, 10, 20 ou 30 points, Valérie Mérès. Et voilà, il prend les Français pour gagner, après ils sont plus au PSG. Pierre Benichou. Moi je me dis ceci d'abord, parce que je suis toujours du même avis exactement que Valérie. Que Valérie. Et ensuite, parce que je trouve quand même que c'est trop bête, quoi, de ne pas avoir une idée d'en mettre un. Isabelle Alonso. Mais 0 point, vive le métissage, abat les frontières. Dans pas longtemps, il y en aura plein, des équipes comme ça, qui seront faites de gens du monde entier. Je trouve ça génial. Pas du monde entier, il n'y en a pas un seul anglais. Jean-Bernard Hébé. Moi, je mets 0, puisque dans un jeu absurde, il suit des règles absurdes. C'est très bien. Annie Lemoine. Oui, il n'y est pour rien, il fait avec les règles, donc 0. Ouais. On ne peut pas le critiquer, être pour l'Europe. Et en plus, c'est très très bien pour l'équipe de France. Ah oui ? Bah oui, parce qu'il y a plein de joueurs qui jouent à l'étranger dans des grands clubs. Et après, non seulement les joueurs nationaux ne jouent pas, donc l'équipe nationale est mauvaise en face, et la note est meilleure. J'ai pas tout compris, mais c'est sûrement vrai. Combien, Pierre Tchernia, Paul Touraine ? Nous, on met 0 points. Oui. Étant donné que j'ai une arme de citoyen du monde, ça me paraît tout à fait... On est toujours encore sur la même branche, exactement. Isabelle. Voilà, je lui mets 0 points, parce que je l'aime, et puis que c'est un des grands entraîneurs. C'est vrai. Voilà, il faut le dire. Ouais. Arsène Wenger, un total de 20 points, pas grand-chose. Je montre une dernière fois
si vous en êtes d'accord, mais j'imagine que vous êtes d'accord. Ah ben, comment ? Le DVD des frères Jacques, deux DVD à l'intérieur pour retrouver ou découvrir, pour ceux qui ne les connaissaient pas, les frères Jacques. Merci à vous deux, Pierre Tchernia et Paul Touraine. Merci. À demain.